Alors aujourd'hui, nous sommes ici au deuxième bouchon de Nos gens le retrouvent, organisé par le club Les Prasses, un club de voitures anciennes de Nos gens le retrouvent, qui a voulu recréer les célèbres bouchons qu'il y avait dans les années 60-70, ici à Nos gens le retrouvent, puisqu'il y avait des dizaines de kilomètres de bouchons à Nos gens le retrouvent. Alors, beaucoup de voitures sur deuxième bouchon. Avec énormément de monde au bord des routes, donc à peu près 300-350 véhicules pour cette deuxième édition du bouchon de Nos gens. Alors derrière moi, il y a la musique avec la bande de Chicha qui va jouer toute la journée. Il y a les majorettes du Breil sur Mérise et il y a aussi le show du cuivre qui va jouer aujourd'hui. Donc on va derrière moi, gros bouchon derrière, avec une belle chevaux, avec une caravane, superbe. Allez, on va zoomer un petit peu. Voilà, donc il y a des starfêtes, hein, il y a de la chevaux, il y a de la golf, voilà, avec les participants du rallye des Trous Ducs d'ailleurs. Hein. On voit à chaque édition des Trous Ducs. Hein. Ah. On va faire quelques images tout au long de cette journée. Ce qui est bien, c'est que les Nogentais ont répondu présent pour ce deuxième bouchon. A noter que moi aussi j'ai participé à ma façon puisque j'ai décoré une vitrine du salon de coiffure sur le thème du deuxième bouchon de Nos gens parce que je trouvais dommage que les commerçants n'aient rien fait pour la décoration. Ça, c'est un point à changer pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, on a déjà des contacts puisque les commerçants m'ont dit qu'ils voulaient décorer leur vitrine l'année prochaine. Plusieurs commerçants veulent jouer le jeu, donc c'est plutôt bien. Voilà. On va se tourner sur cette superbe Cadillac. Hein. Regardez, magnifique Cadillac qui est là. Avec encore un participant du rallye des Trous Ducs. Hein. Voilà. Comment vas-tu? Et toi? Eh ben nickel, impeccable. On aime bien foutre le bordel. Voilà. Avec quoi tu es venu aujourd'hui? Avec quoi tu es venu comme voiture aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris la Nissan WRG 260. Parce qu'hier, il pleuvait, j'avais pas envie de venir avec la décapotable. Et tu deviens habitué du pêche, toi? Tu viens... On vient souvent avec des rendez-vous de vieilles bagnoles. Et on est toujours super bien accueillis. Et on est très content de venir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc c'était aussi un participant du rallye des Trous Ducs d'ailleurs, hein, qui est venu l'année dernière. On va vous montrer son véhicule qu'il a cette année, voilà. Ça changeait toujours avec sa petite chienne qui l'accompagne un petit peu partout, voilà. Voilà, on va arrêter un petit peu, on va refaire quelques photos, on va refaire quelques vidéos tout à l'heure. Alors Jackie, oui. Comparé à la première édition, ben c'était oui. Un peu plus tranquille. Oui. Voilà, là vous avez fait un gros effort au niveau animation. Oui, mais on avait quand même deux bandas l'autre fois. Mais bon, c'est avec les majorettes, c'est un plus, c'est vrai. Alors combien de voitures Eh bien écoute, on n'a pas réussi à faire le compte exact, mais on suppose qu'on est on a tourné vers 350. Tout confondu, deux roues et quatre roues. Voilà, ce qui est vraiment bien, hein, parce que vous aviez 200 inscriptions à peu près, ouais, c'est ça? 200 inscriptions, pas une semaine avant, mais 4 jours avant, disons. Alors là, on peut dire qu'on ne va pas filmer, mais il y a la gendarmerie qui est en train de faire la circulation. C'est une bonne chose d'avoir interdit les voitures modernes. Ben là, si tu veux, on a fermé carrément la portion. Il y a combien de personnes qui bossent là, sur cette organisation? Parce que c'était bien réglé. Hein. Oui, là on a une trentaine de personnes.
Parce que si tu veux, on a fait des équipes pour le matin et l'après-midi. Donc on se dit une trentaine de personnes pour le tout, pour l'accueil, pour fermer les routes, la restauration ce midi, distribuer les tickets pour ces différents gens qui sont là, quoi. Oui, chacun savait ce qu'il avait à faire. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, voilà. Après, il ne faut pas non plus trop en demander non plus. On est satisfait. Voilà, ça. Tout à fait. Hein. Vous pouvez être bien satisfait du travail qui a été fait. Ouais. Et on peut dire que c'est un gros succès parce que malgré tout, ce matin, il y avait la traversée de Chartres qui aurait pu vous faire concurrence. Il y a des gens qui étaient à la traversée de Chartres ce matin qui m'ont appelé, ils m'ont dit on vient cet après-midi. Donc ils sont là, ils sont arrivés. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Oui, c'est bien. Voilà. Je leur ai dit, moi, les organisateurs de Chartres, j'ai dit qu'il faut qu'on se mette d'accord la prochaine fois pour faire une date différente. Quoi. Voilà, il faut vraiment pas tomber comme ça, nous, on peut aller participer chez eux et inversement. Oui, voilà, oui. Oui, parce que se faire concurrence, c'est dommage, hein, toujours. Oui, dommage. Alors là, le parcours, c'était quoi, en gros, ce matin Même chose que là. Donc, si tu veux, ce matin, le départ, on est parti des deux côtés en même temps, c'est-à-dire un côté qui arrivait par ici, là, qui arrivait comme ça. Rue Tochon, avenue des Prés, arrivé ici sur la nationale, quoi. Voilà, sur l'avenue de Paris. L'avenue de Paris, rue Giroux, rue Saint-Hilaire et rue Gouverneur. Et au Paty, on tourne autour du pâté de maison, on revient. Et l'autre moitié de participants partait place du 11 août, rue Abbé Belay, rue Paul Deschanel, rue Saint-Laurent. On arrive au Paty, on revenait comme ça, ce qui fait qu'on au premier passage, on s'est croisé en centre-ville. Et ça, c'était sympa. Oui, ce qui faisait vraiment, vraiment un bouchon. Ouais, hein, pour plus d'ambiance, c'était vraiment. Voilà. Même ici, il y a du monde, voilà. Hop. Et voilà, c'est vrai que c'était vraiment sympa de créer vraiment un embouteillage comme ça. Et là, si tu veux, arriver ici, là, chez But. On a forcé les gens à faire demi-tour ici pour ne pas aller gêner le rond-point de Leclerc. Parce que ce matin, Leclerc était ouvert. Donc, en plus, qu'ils nous aident, on n'a pas voulu les embêter. Et puis, il y a une brocante à Margon aujourd'hui. Il y a une brocante? Oui. Donc, effectivement, comme il y avait la Bourbonnaise hier, avec petite voiture là-bas, même les petits s'y mettent. Hein. Voilà. Donc, et toi, tu es inconnu l'époque des bouchons ici. Oui. C'était vraiment, vraiment la pagaille. Je vais t'expliquer, j'habitais là, moi. En face chez Cabaret, là, si tu veux. J'habitais dans le petit immeuble de l'autre côté. Quand on s'est marié, j'ai resté là pendant 2 ans et demi. Et là, c'était bloqué tous les vendredis soirs, tous les samedis. Tout le temps, d'accord. Ah oui, il y avait des camions à l'époque qui passaient, des gens qui partaient en week-end. Ouais. C'était vraiment le gros bazar, d'accord. Je travaillais au garage Renault à l'époque. Et les dépannages, je te dis pas. J'ai vu boucher jusqu'à la fourche. Ah oui. Ah oui. Oui, c'était plusieurs dizaines de kilomètres. Et vraiment, parce que dans ce sens-là et dans l'autre sens, d'accord. C'était pas un parti de plaisir. Ouais. Alors là, il y a des gens qui viennent d'où pour ce bouchon. Je présume qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de régionaux quand même. Beaucoup de régionaux, des Parisiens. Oui, il y a des. Il y a de l'Orne, pas mal, il y a de la Sarthe, il y a de l'Eure, il y a des gens de Verneuil qui sont venus. Et puis si tu veux, on a quand même fait beaucoup de pubs, hein. On a commencé de bonne heure et on a mitraillé les flyers. J'ai distribué 3500 flyers. Ah oui, d'accord. Vous ne faites pas les choses à moitié, à l'épras. Bah, si tu veux, on a réussi à récupérer un peu de budget, donc autant l'employer. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que nous, si tu veux, on ne veut pas gagner des fortunes, il faut faire fonctionner le club, c'est tout. Oui. Mais la manifestation, on force sur la manifestation là, quoi. Ouais. Parce qu'on a des budgets, c'est pour cette manifestation là, on met de l'argent dedans, quoi. Oui, puis toi, tu es vraiment passionné, tu n'es pas là pour faire du fric, hein. C'est vraiment le partage. Voilà. Hein. Voilà. Tu vois, les bandas, c'est tout ça. Bon, ben, ça coûte un peu, hein, mais ça, c'est ce qui fait la beauté du truc. Hein. Ouais. Hop, on va se tourner un petit peu, on va filmer un petit peu le public, la foule. Ça, c'est vrai. Voilà. Bravo! Donc, il y a un petit peu moins de monde que ce matin. Là, avec la vitrine qui est décorée, qui est juste là.
Voilà. Donc on a essayé de faire un petit quelque chose. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, c'est qu'il y a des commerçants qui nous ont déjà contactés pour la prochaine édition. Ah bah, tu vois, c'est bien. Pour décorer leur vitrine. C'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, on va filmer les gens juste là, ici. Monde, là, oui. Là, c'est vraiment bien de voir des gens comme ça ce matin. C'était vraiment dire tout le... Avec la banda chicha qui est... Et les choux du cuivre aussi en droite. Voilà. Chacun du côté. La banda qui est à gauche. Et le chaud du cuivre, voilà, qu'on va voir tout à l'heure pour une interview qui est sur la droite. Voilà. Donc c'est bien qu'une manifestation comme ça renaisse. Et c'est la preuve que ça plaît, c'est que... Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Voilà. Salut, Nivolia. Eh bien, merci, Jackie, pour le petit tour. Hein. Du coup, je vais redescendre là. Et puis, comme ça, ça va être bien. Woo!
magnifique Dodge, hein. Superbe Dodge 1949. Salut, ça va? Bien. Nickel. C'est bien une Dodge de 49, hein, c'est ça? Ouais. Ok, le modèle exact, hein. C'est une Kingsway Custom. Kingsway Custom, ouais, d'accord. 1949. Très belle voiture, on peut dire que c'est une voiture qui a tourné dans un film. Oui, c'est ça. Avec Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle et Hippolyte Girardot. Donc le film s'appelle Le Parfum d'Yvonne. Dans les années 83-84, le film est sorti à peu près dans cette période-là. Et bon, c'est pas un des meilleurs films de Jean-Pierre Marielle, hein, on va dire ça, il faut être honnête. Il a fait beaucoup de laver. Mais Jean-Pierre Marielle a conduit cette voiture-là. Et c'est une voiture que tu as gagnée à un concours, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, comment t'as fait pour gagner cette voiture? Il fallait jouer dans un journal, sans faire de publicité, qui s'appelle VSD. Je ne sais pas si c'est un journal qui existe encore. Il fallait gagner, répondre 5-6 questions à l'époque, et il fallait répondre aux questions. Donc une voiture qui t'a pas coûté cher. Exactement, c'est tout à fait ça. Eh ben merci, ma bonne continuation. Merci, à bientôt. À toi aussi, à bientôt. La 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 tout seul. La 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 avec deux gens. La 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 hey. La 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 la. Alors les Chœurs du Cuivre, on aura l'occasion d'aller les rencontrer tout à l'heure, on ira faire une petite interview dans l'après-midi avec eux, qu'on aura un petit peu plus de temps. Avec les Chœurs du Cuivre, apparemment ils ont l'air bien, mais bon... Ils ont l'air pas mal, hein. Je sais pas trop d'où ils viennent, ils disent jamais trop, mais par contre qu'est-ce qu'ils viennent? C'est Secret Défense d'où ils viennent. Oui, c'est Secret Défense. Ok. Sinon, on peut pas se diviser en 60, alors... Les places sont chères jusqu'à 2024. Et après, il y a un peu de place à lire. Merci. On se voit tout bonjour à l'heure, on se fait une petite interview tout à l'heure. Interview, voilà. Ah, rangez-moi cette salle à manger. Allez. Donc, voilà parmi les participants du deuxième bouchon de Lausanne, les Chœurs du Cuivre. Alors, on est d'accord. Vous, qui vous êtes, les Chœurs du Cuivre? Les Chœurs du Cuivre, alors, banda, orchestre de rue, créé en 2009, ambiance sympathique, on dit toujours
sérieux, s'abstenir. On joue de la musique du mieux qu'on peut, dans la bonne humeur, la joie de vivre. Les gens nous le rendent bien au passage, on vous remercie tous, parce que franchement, quel bel échange avec les gens, c'est toujours formidable, merci, merci, merci. Et vous êtes toujours voilà. Partant pour faire les cons, hein, bien sûr, ça se bien voit. Bien sûr, voilà, toujours voilà. Dans la bonne humeur, c'est un bon échange qui s'installe avec le public, et j'allais dire, c'est presque un médicament tout ça. Alors d'où vous êtes hein? Alors, on est à Sagny-les-Ponts, à côté de Châteaudun. À côté de Châteaudun, d'accord, ok. Eh bien, on a vu que vous êtes à Facebook, on peut vous rejoindre. Bien sûr, voilà. Vous tapez les shows du cuivre, show en anglais, show du cuivre, vous allez voir. Parce que régulièrement, nos photos et vidéos, et voilà, c'est bon enfant, c'est sympathique, les gens apprécient. On est régulièrement demandé à droite à gauche, c'est que quelque part, ça doit pas être trop, trop mal. C'est que ça plaît. Eh ben, merci. Exactement, merci beaucoup. Et à bientôt. Kevin, salut, tu es un jeune Nogentais qui est de nos gens le retour. Non, donc tu es un jeune Nogentais, donc tu participes un petit peu à ta façon au deuxième bouchon de Nogent. Tu n'as pas de voiture ancienne, alors est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu participes à ce bouchon de Nogent? Moi je participe au deuxième bouchon de Nogent. Parce que j'expose des photos chez l'opticien Pijard, dans le centre-ville de Nogent-le-Rotrou. Donc alors toi, tu viens de te lancer à ton compte, hein, puisque tu es photographe professionnel depuis quelques mois seulement, mais tu parcours les circuits depuis l'âge de 6 mois, donc oui. Avec tes parents, donc avec nous. Voilà. Alors quel genre de photos est-ce que tu exposes chez les opticiens Pijard hein? Voilà, tu peux diriger vers là, je sais pas. Voilà, alors par exemple, cette photo, voilà. Est-ce que tu peux dire où tu as pris cette photo? Sur le circuit 24 heures du Mans, pendant les 24 heures du Mans 2022. Donc où tu as fait vraiment des belles photos, puisque tu as eu un petit peu, on va dire... J'ai eu accès partout avant le départ. J'ai pu aller dans quelques boxes. L'écurie pendant les 24 heures du Mans. J'ai pu aller à l'arrivée de la Toyota sur la pit lane dans les stands. Oui, tu as eu accès un petit peu partout cette année. Oui. Voilà. Donc c'est plutôt bien d'exposer comme ça, parce que faut dire ce qui est, c'est un petit peu dommage que, comme on le dit à chaque fois, les commerçants ne jouent pas le jeu, sauf les opticiens Pijard et le salon de coiffure M-Coiffe un petit peu plus loin, qui a décoré sa vitrine. Au moins, il y en a qui laissent la chance à des jeunes pour les valoriser, qu'à nos gens de Rotrou, la ville a du mal à valoriser les jeunes. Voilà, il faut dire que les jeunes ne font pas que des bêtises, mais qu'il faut les aider quand ils font des choses, quand ils ont des beaux projets, et que là, ça donne l'occasion à un jeune d'exposer. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes photos, ton site internet, est-ce que tu as l'adresse? On peut retrouver mes photos sur Facebook, Instagram, et TikTok sur ZZ Rider Photographe et mon site internet c'est zzriderphotographe.rootsesite.com. Alors d'où où est-ce que vous êtes hein? Parlez-moi un petit peu là, c'est la première fois que vous participez au bouchon de Nogent. Vous faites partie du club hein? D'accord. Bah, j'en fais plus partie depuis quelques années mais je suis toujours en contact on va dire. Ok. Je suis un copain à Jackie. Oui, donc obligé d'être là. Voilà. Vous avez combien de voitures? Une voiture, c'est suffisant? Oui, tout à fait. Il faut avoir le temps de les utiliser. Ouais, voilà, ouais. Puis c'est sympa une 4L hein, comme petite voiture. Ouais, c'est la voiture simple. Voilà. Pas très compliqué. Donc vous, il y a longtemps que vous faites partie du club? Moi, j'y suis plus parce que j'ai plus le temps d'y aller, donc j'ai arrêté. Mais sinon, oui, j'ai dû faire une vingtaine d'années. D'accord, ok. Alors là, il y a quelques travaux, c'est un peu compliqué, mais au moins c'est bien. Voilà, ça permet de... Ça fait la réalité. De voilà, c'est ça, c'est la réalité des choses, effectivement. Donc c'est une 4L de quelle année? 90. Mais c'est suffisant pour se faire plaisir. Hein. Tout à fait. Hein. Voilà, c'est pas onéreux au niveau entretien. Pas du tout. Ça roule bien, ça consomme pas, c'est ce qu'il faut. Surtout maintenant. Non, c'est génial, ça suffit pour faire 1000 km par an. Ouais. C'est pas énorme.
vous n'avez plus qu'une, non ? Comment ? Vous êtes content ? Non, j'en ai plus maintenant. J'ai une coccinelle et une 203, mais j'ai plus. Ça coûte tellement cher maintenant que les spéculateurs sont passés par là. Bah même tout. Depuis le 4L Trophy, les 4L. Elles ont pris aussi. Elles ont pris un petit peu. Bon bah merci à Fred pour ce petit tour en 4L. C'était bien sympathique. Quand tu veux. Voilà. On va continuer, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Là, on va filmer un petit peu le monde en bord de route, j'allais dire en bord de piste. Je suis tellement habitué. Donc en bord de route, hein, vous allez voir que même cet après-midi, il y a énormément de monde. À nos gens, on le retrouve. Ça fait super plaisir de voir que les gens sortent et s'amusent et profitent. Qui est l'organisateur du rallye du Perche, hein, voilà, qui s'est déroulé il y a quelque temps ici dans le Perche, hein, le 14 mai d'ailleurs, la veille de la Villa des Trouducs. Ouais. Très belle BM. Thank you.
la littérature, on les plaît aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Capitaine et ses bateaux, n'étaient pas des enfants de salauds. Il faut bien le dire, ce qu'ils ont du mal à applaudir quand même. Bon, ben, je pense que c'est sur ces quelques images qu'on va se quitter parce qu'il commence à y avoir beaucoup de voitures modernes, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, c'était un bel événement en tout cas. Donc, à bientôt sur le troisième bouchon de nos gens.